Eh bien, salut tout le monde, c'est Kanamojo. On est de retour pour l'épisode dans le ventre de Jabu Jabu de Ocarina of Time et je suis en compagnie de Takarama. Toujours là pour vous déranger, hein. Et voilà, il était déjà présent pour le deuxième donjon et ben il fait son grand tour. Bon, Petit. là, on va essayer de les éliminer ceux-là. Ah ouais. Je me disais bien qu'ils allaient me déranger aussi. Là au moins, je pense qu'ils ont pu revenir. Enfin, ils reviendront, mais ils sont de l'autre côté en attendant. Voilà. Voilà, petite énigme. Pas forcément bien compliqué, hein. La première fois que t'as fait le jeu, Takarma, t'as mis un peu de temps avant de Zéro piger qu'il seconde. fallait. T'as mis un peu de temps avant de Zéro piger qu'il seconde. fallait. Ça ressemble pas vraiment à un interrupteur, mais. Ouais. Ouais, j'ai Bon, mis un c'est peu de facile. temps, je veux dire, que je cherchais. C'est une masse, comment on ouvre? J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un espèce d'interrupteur en haut. Bon, bah, en tout cas, ça c'est fait. Alors là, par contre, les petites méduses qu'on voit là, les méduses électriques, faut pas les toucher, quoi. Enfin, on les aura plus tard, mais pas pour l'instant. Ah bah tiens, qui va-t-on retrouver? Enfin, qui va-t-on voir, surtout? Oh là là! Oh! Ruto! Toi, qui es-tu? Je suis Ruto, princesse des Aurores. Quoi? Mon père t'a demandé de me sauver? Je n'ai rien demandé à personne. Un message dans une bouteille? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon père est très inquiet. Je m'en fiche. De toute façon, je ne peux pas partir maintenant. Quant à toi, va-t'en d'ici, compris? Ouais, bah Hors dis de donc. question. Elle a un sale caractère, la Miss, là. Eh ben voilà ce qui se passe quand on regarde pas derrière soi. On tombe. Ah, en fait, faut lui parler plusieurs fois, c'est ça le truc. Tu es encore là, toi? Je t'ai dit de partir. Je vais dans le ventre de Jabu Jabu depuis que je suis toute petite. Alors, je t'ai pas attendu. Le grand Jabu Jabu n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Ah, ça, on l'avait remarqué. Il y a d'étranges méduses électriques et des trous partout. Et en plus, ma chère Pierre a été. Mais c'est pas tes oignons. Toi, tu rentres chez toi, compris? Eh ben, dis donc, elle est du genre insistante, hein. De toute façon, on n'a pas le Encore choix. une fois, la parler. On n'a pas le choix, de toute façon. Tu t'inquiètes tant que ça pour moi? Alors, je t'accorde l'honneur de me porter. Toutefois, je ne partirai pas sans avoir trouvé ce que je cherche. Tu peux en être sûr. Ah, je tiens à préciser tout de suite, c'est un épisode que ça m'étonnerait fortement que je fasse en une seule vidéo. Parce que, à la rigueur, le faire d'une traite, c'est possible. Mais, ils vont être assez énervants, on va dire, voilà. Mais le faire en récupérant les sculptures là, sachant qu'on en a un ici, là, et qu'on peut pas le récupérer tout de suite, ça nous obligera à faire un détour dans le jeu, là, enfin, de revenir en arrière, pour les récupérer. Ce qui va être chiant, quoi, voilà. Oh. Bon, c'est surtout ici, quoi. Je crois que c'est ici. La première fois que j'ai fait le jeu, je m'étais fait avoir. Bon, là, normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Je crois pas. Hein. Bon, pas qu'il faille lancer Ruto pour. Normalement, je crois qu'il faut lancer. Il faut utiliser le lance-graine. Hein. On s'en fout littéralement en fait, on fait comme on veut. Ouais. Enfin bon, logiquement, on devrait utiliser le lance-graine pour le faire. Ah, c'est ici, la première fois, je me suis fait avoir. Je voulais. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire très attention. Parce que quand vous faites avoir, vous passez la porte, et là, bah, hein, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Mince. C'est ça que je voulais faire. Ça m'est arrivé une fois.
La princesse Ruto, je l'avais lâchée parce que je m'étais fait avoir, j'avais pris la porte et ben, elle était plus derrière. Ah, je peux te dire que j'avais sévère. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas forcément s'il y a des trucs là ici. En dessous. En tout cas, moi je sais que dans Master Quest, j'en ai déjà fait une vidéo. Je sais qu'il y a une sculpture là quand on frappe avec. Le lance-graine, il y a une vache. Et là, il faut tirer. Bon, après, ah, elle est gentille celle-là. Elle me laisse même pas le temps de. Ouais, oh. Ah bon, ok, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais me mettre sur le côté. Je me souviens pas quand même que. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Alors, c'est quoi qu'elle propose? Je crois que c'est pas grand chose d'intéressant. Humeur, c'est bon. En échange, je vais bien te vendre des noix mojo, 5 unités et 20 rubis. C'est le prix. Wow. Des noix mojo, honnêtement, je pense que j'en ai, hein. Voilà. Je suis même à bloc, hein. Ah, petite perte de temps, là. Pour rien. N'est pas grave. Ah, on va récupérer la princesse. Là, je vais faire un truc qui me fait toujours marrer. Ah ouais, je sais de quoi tu parles, ouais. Hein. Je me fais plaisir, moi aussi, en le faisant. Là, par contre, faut pas se louper, hein. Parce que tu te loupes... Oh, arrête de gémir. Ça, c'est toujours comme ça, en fait, quand on est... Quand on reste immobile trop longtemps, au bout d'un moment, elle gémit. Peut-être qu'elle est pas à l'aise sur notre dos. Bah là, qu'à descendre. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Ben... c'est pas vraiment un honneur de porter une personne. Hein. Ah, c'est une princesse quand même, attention. Fala crier. Ah, voilà. Malheureusement, j'ai pas entendu. Ah ouais, bah oui. C'est vrai, tu peux pas entendre le jeu. Oh là, on va juste faire attention de pas tomber dans les trous, hein. Alors là, ça c'est traître. Hein. C'est traître. Et en plus, je fais exprès de me... Cette grosse méduse descend d'un coup. Et tu peux pas l'esquiver si tu sais pas d'avance que... qu'elle va descendre. Là par contre. Alors. Cet interrupteur, ta carrure de bois plume, ne sera pas suffisant pour l'activer, Kana. Ah bah si, puisque justement, j'ai Ruto sur moi. Si Navi avait fait plus attention, il aurait pu remarquer qu'il y avait quelqu'un oui, sur. Exactement. Mais sauf que Navi n'a pas les yeux en face des trous. On va dire. Alors là par contre. Chacun a sa petite technique, mais. Je sais pas si ça va plus vite en faisant comme ça. Donc, on va voir. Non, mais là, ça va peut-être être un peu plus... Parce que, déjà, faudrait qu'il... Voilà. Déjà, je me suis loupé, c'est pas grave. Ce que je voulais faire, c'est le one-shotter d'un coup avec le bateau, mais... Finalement, peut-être qu'on va le faire la normale, hein. C'est préférable, je crois. C'est-à-dire... quitte à perdre un peu plus de temps, c'est pas... catastrophe. Hein, dégage. Ah oui, ça. Ça, oui. Je l'ai dit, je le répète à chaque fois, mais... les touches C, moi, c'est le joystick de droite, donc... des fois, je rip un peu sur les touches, et du coup, ben... je fais parler Navy au lieu de... Au lieu de tuer ses ennemis. Voilà. On y arrive tranquillement mais doucement. Mieux vaut faire doucement. Ne pas se fêter. Réveille-toi. C'est quoi ce bordel? Depuis quand il y a des coffres dans un estomac, sincèrement?
Surtout des coffres qui apparaissent comme ça, hop. On sait même pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, mais... Vous trouvez le boomerang, assignez-le en appuyant sur l'une des touches dans l'inventaire. Appuyez sur C pour attaquer vos ennemis. Exact. Tu commences à me faire peur, arrête. Ah bon? On dirait pas, un pourtant. Type genre disco 90, quelque chose comme ça. Et toujours la voix que j'ai pris quand... Quand je dois énoncer l'utilité d'un item. Alors, là par contre, ici, va falloir laisser la princesse. Ici, on va lâchement la lâcher. Allez, hop. Reste ici couché, dodo. Pas bouger. Voilà. Mais en plus, c'est vrai, elle va pas bouger du tout. Hein. Ouais, ouais, en plus, je disais ça, mais ouais, mais c'est clair qu'elle va pas bouger. Par contre, après, quand on va revenir. Bon, là par contre, on va tâcher de pas se failer. Loupée. Magnifique, pas grave. Là par contre je suis obligé de le faire descendre pour le loquer ce con. Bah dis donc, tu deviens de plus en plus vulgaire toi hein. Il paraît. Ah mais il a qu'à se laisser faire aussi. Voilà. Il a qu'à se laisser faire. Je parviens pas à y croire, je me suis forcé à dire 90 alors que logiquement j'aurais dû dire non, je suis belge, c'est bon, il y a personne qui va comprendre dans la vidéo. J'aurais dû dire 90, voilà, c'est bon, c'est fini. Bah, je n'avais rien entendu. Carrément spoilé le dialogue, ma force. On vient de recevoir la carte. Ah oui, d'ailleurs on le voit très très bien. Bon alors, qu'est-ce qu'elle va ronchonner, celle-là? Oh, vilain, tu m'as abandonné. Comment oses-tu faire une chose pareille à une princesse? Ben, en même temps, vu ta tronche, tu ressembles pas vraiment à une princesse. Hein. Excuse-moi de dire ça. C'est pas fou. Alors là, si c'est pas Ruto, c'est Nevi. Depuis que tu as tranché le tentacule rouge, la chose rouge et visqueuse n'est plus là. Cela fonctionnera-t-il avec les autres? Ben avec un peu de déduction, on peut en deviner que oui. Ou alors toi, princesse, tu vas rester couchée ici, pendant que moi, je vais me faire les autres. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas réussi à buter toutes les bulles avant 40 secondes? Ce qui risque d'arriver si jamais j'arrête pas de ripper sur les touches. Je sais pas du tout. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Non, non plus. Puisque logiquement, on a quand même largement le temps de le faire. Et que j'ai pas franchement envie d'essayer. Imagine, ça nous fait retourner au tout début du donjon. Ou bien la grosse main là qui tombe, sans doute ça. C'est possible. Peut-être ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant c'est la dernière bulle. Vous avez vu, je prends vraiment mon temps, hein. Y a pas de problème. Le boomerang qui reste à sa place, hein. Ouais. C'est la magie des Zelda. Pas besoin de magie, hein. Je bloque. Ah, Eh, maintenant on a la boussole. C'est parfait. Alors ça, j'ai toujours trouvé qu'on avait la carte et la boussole assez rapidement dans le donjon, quoi. Ils sont pratiquement l'un à côté de l'autre. Et pas toi ce que t'en penses. Par rapport aux autres donjons, je trouve que ils sont un peu trop à côté les uns à côté des autres. Ils auraient dû être un peu plus espacés, je trouve. Ouais, et plus dur à chercher aussi. Bon, c'est pas forcément plus dur, mais au moins un peu plus espacé, quoi qu'on ait. Enfin, bon, on va passer tant sur le sujet. On a cette espèce de truc à éliminer, là. Ah oui, voilà, je préfère préparer. Je préfère préparer le boomerang d'abord et après tuer. Non, mais tu crois quoi? Tu crois m'avoir? Tu te trompes. Ton collègue m'a eu une fois, ça suffit. Si on peut appeler ça un collègue.
On n'est pas censé faire apparaître quelque chose. Je crois pas. Apparemment, non. C'est juste pour déverrouiller une place, enfin, une porte. Ouais. Bah, c'est ce que j'en conclus, hein, parce que visiblement. Là, j'étais persuadé qu'on faisait apparaître un coffre. Erreur! Pas erreur fatale, mais erreur quand même. Alors, comme d'hab. Ah là, par contre, ça va être un peu plus chiant. Je préfère m'occuper des méduses d'abord. Parce que sinon. Ah! Ta gaule, Nevy, ta gaule! Shut up, Nevy. Ah bon, ça va là, j'ai pas eu de mal. Des fois, elles se mettent dans le fond et puis on peut pas les avoir sans réveiller cette espèce de truc là, le machin. Je sais pas si ça a un nom, ce truc là. Je veux pas le savoir. Attends, si tu m'excuses un peu, je vais essayer de continuer un petit peu parce que là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, pas de soucis. Allez. Bon, voilà les gens, bon, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Très drôle. Mort de rire. Allez. On a éclaté ce truc. Et maintenant, bah, a priori, c'est là que... C'est là que c'est la queue. Bah oui, maintenant que j'ai le boomerang. On va pas s'amuser à éclater ces méduses. Hein, ça... Je pense pas que ça serve à grand chose. Ouais, bah je vais peut-être. Je vais peut-être activer la superbe cinématique. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'ai des sculptures là ici. J'avais l'intention de revenir en arrière pour éliminer les... Ah non, bah c'est peut-être... Non. Je vais d'abord le faire au lance-graine. T'as pas remarqué mon absence, non? Bah si, je l'avais remarqué. D'ailleurs, T'as dit que quelqu'un t'appelait, donc forcément. Non, mais... d'ici là, il y a 2 secondes, quoi. Tu parlais tout seul, j'étais pas là encore... Ma soeur m'a appelé. Ah bah je croyais que t'étais là, j'avais pas fait gaffe. T'es schizophrène. Schizophrène. Très bien. Bon allez. Là j'espère qu'après ça je vais pouvoir avoir une autre amélioration. Je sais même pas si à combien j'en suis là. Sachant que j'ai oublié un scutula, tu l'as si bien dit. 24. Il y a un scutula que j'avais oublié juste à l'entrée du fleuve Zora. Non mais tu pouvais pas le savoir. Toi, tu bah croyais en qu'il y fait en avait... si je pouvais le savoir parce que enfin je pouvais le deviner puisque au village Cocorico je le savais pas, ça m'a je me suis dit tiens si je fais une roulade là, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est là que j'ai découvert. Donc sachant cela j'aurais pu me dire tiens cet arbre je vais faire le test, on va voir. Mais j'ai tilté en regardant ma vidéo, quoi, c'est tout. J'ai pas pensé en vidéo, quoi. Bon, alors, quoi qu'il en soit, on a la princesse Moto qui est contente. Tu vas faire le bug. Bah, honnêtement, je vais pas me fouler pour le faire, hein, c'est clair et net. Parce qu'honnêtement, sinon, il est trop chiant à battre. Faudrait surtout pas que je rip sur les touches. Bon alors là, Princesse Auto qui nous dit qu'on peut partir maintenant. Ramène-moi la maison tout de suite. Même pas fait les voix, c'est magnifique. Ah oui, bon là, je vais tout de suite préparer le... Ah, le bateau Mojo. Voilà la princesse qui se fait kidnapper. Oh vilain, pas bien. Berk, c'est quoi une pieuvre? Non seulement c'est une pieuvre, mais en plus on va devoir se la farcir. On va tâcher de la one-shotter. En 30 secondes, allez. Non, 29. Mais là le problème c'est que... 28. Que... 27. Ça... Ah. 26. Salope. T'es pas censé faire demi-tour. 24.
23. Attends. Ce serait 22. Bien si. Bon, je vais arrêter mon décompte. Hop, fais demi-tour, saleté. Voilà. Déjà, faut pas se bourrer de touche. C'est. Attends. Non. C'est. Ah oui, c'est ce bouton-là. J'aurais mieux fait tester avant. Pas grave. Voilà. Non mais. Ah bordel. Je sais pas si j'ai eu en 30 secondes, mais en tout cas, je l'ai eu. Voilà. Non, tu l'as eu en 40 secondes. Ah, saleté. C'est pas grave. Au moins, ça m'a évité de... faire la course avec lui. Ouais, d'ailleurs, j'ai récupéré des cœurs entre-temps. Ah, que le jeu est gentil. Ah, j'ai toujours du mal à... récupérer ces effets. Apparemment, je suis pas le seul à qui ça arrive. Beaucoup de gens qui ont pas mal de difficultés à la récupérer. On a du mal avec la perspective 3D, là, c'est un peu difficile. Bon. Voilà, je te préviens, il y a une pieuvre, enfin, ouais, l'espèce de truc bizarre tout petit. Ça, je peux dire que je suis pas prêt de l'oublier, cette pieuvre. Je me suis fait avoir, je sais pas combien de fois. Ça va. D'ailleurs, pour pas être dérangé, c'est pas compliqué. C'est que je vais carrément la... shooter. Tu m'as eu, mais je t'ai eu. Voilà. En plus, je savais plus si on faisait apparaître un coffre ou pas. Donc, j'avais l'intention de le faire, de toute façon. Bon, là, évidemment, je pense que vous avez compris. Il faut utiliser le boomerang sur ces trucs, là. Ces espèces de blocs... qui bouge. Je sais même pas à quoi ça correspond à l'origine ce truc là. On est censé être dans le ventre de Jabu Jabu. Donc je sais pas trop ce que c'est ces trucs là. Déjà il y a rien de normal. Des méduses c'est pas normal déjà à la base. Donc là oui faut quand même que je revienne en arrière parce que j'ai d'autres scutulas à récupérer. C'est... Oh, la loose. C'était pas ici. Je sais même pas si... Là, j'en suis qu'à 22 minutes. Là, je pensais que... Ah, oh, ouais, ça va pas me... Faut pas embêter longtemps. Voilà, comme ça. T'es toujours là? Ouais, excuse. Ouais. Ah, je croyais que... T'avais encore un petit moment d'absence. Donc, là, comme je disais, ouais, on va redescendre. Putain, on va carrément descendre comme ça. Quitte à... Ah non. J'ai cru que j'allais prendre un dégât parce que j'allais tomber juste sur la plateforme, là, mais non. Ah bah si. J'en ai pris un. Oh là là, je te jure. Les allers-retours que je suis obligé de me taper. Enfin, pas obligé, hein. Mais obligé si j'ai intention de prendre les scutulas. Alors toi. Voilà. Ils vont rester tranquilles au fond. Pendant que moi. Je vais le shooter comme ça. Ah d'ailleurs en fait on pouvait. On était pas obligé d'avoir le. On n'était pas obligé d'avoir le boomerang finalement puisque. Ah si. Si on était obligé. Non, on n'était pas obligé parce que après avoir fait ça, on faisait monter l'eau et puis on pouvait grimper. D'ailleurs, ça éveille ma curiosité. Donc en fait, j'aurais pu éviter les allers-retours. Non, il y a rien. Et de l'autre côté, il y a plus rien. Ça serait mieux que tu finisses vite et au plus vite s'il te plaît le truc parce que il y a une personne qui commence à s'énerver. Bah écoute, tu lui dis d'attendre quoi parce que quand on fait des vidéos alors tu te mets en pas dérangé puis comme ça la personne est au courant alors tu lui dis je suis un peu occupé là donc voilà. Non mais c'est dans la maison. Ah dans la maison. Ah, je crois que c'était sur Skype.
Ah oui. Ben, ouais, on va tâcher de finir ça. De toute façon, on a presque fini. On a juste plus qu'à rejoindre ce beau boss à la con, là. Allez, dépêche, voilà. Forcément, il faut monter. Ah, d'ailleurs, je suis bon. Enfin, pas forcément. Je peux utiliser le vent de faveur. On va d'ailleurs le... Bah non, on va pas le... Ah ouais. Si, logiquement, ça nous fait retourner à l'entrée du donjon lorsqu'on l'utilise une deuxième fois. Enfin bon, finalement, ce sera peut-être plus long de l'utiliser. On le testera une autre fois, c'est pas un problème. On aura d'autres occasions. C'est ici. Allez, direction le boss. Alors, il est de l'autre côté, le boss. Ah oui, c'est vrai. Bien fait de me rappeler. Parce qu'on a activé la plateforme. D'ailleurs, il nous faut ça. Et puis voilà. Alors, on va pas s'embêter une fois de plus à tuer ces méduses. De toute façon, ça donne jamais rien. Enfin, si, ça donne des trucs, mais rien d'important. Si on peut éviter de le faire... Ah oui, là, il vaut mieux s'équiper du boomerang. De toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'on a un mur en face de nous. Voilà. Eh ben finalement, je l'aurais fait en une vidéo, c'est bien. Non mais tu crois quoi ? Hop, je veux tomber, voilà. Ah c'est bien ce que tu l'as ici, c'est bien. C'est perfect. Celui-là aussi j'ai fait une idée. D'un côté, on l'entendait, donc... je pense pas que je l'aurais oublié. Mince, j'ai encore une pièce de touche. C'est bizarre quoi. J'ai ripé entre la touche de droite et la touche de gauche. Faut le faire. Pas trop compris. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive au boss. Alors là, c'est le premier boss relativement sérieux du jeu. Qui va être un peu plus long à battre que les autres. Et on a normalement, je crois, 3 phases en tout. Alors, Takarma, la première fois que t'as battu ce boss, je pense que t'as eu un peu de mal, comme tout le monde. Exactement. Ouais. En fait, le plus dur, à la base, c'est d'essayer d'analyser, quoi, ça. Parce que là, voilà. C'est qui nous crache, forcément. C'est l'anémone bioélectrique, donc... déjà, si je pouvais le loquer... En vitesse et de vite efficace au lieu de tout le temps. Voilà, c'est pas compliqué. Tu lock, j'ai dit. Si Nevi veut bien faire son travail. Bon, ça c'est fort à chaque fois. Oh, voilà, on y arrive. Voilà, par contre, je crois que ça va être plus rapide. Avec ça, j'ai jamais essayé. D'ailleurs, j'ai intérêt à faire gaffe, puisque même si le nombre de cœurs ne descend pas... Alors, c'est plus près ici. Non, finalement, je crois qu'on est... Oh ! Bah, en fait, on est obligé d'utiliser le boomerang. Non, mais je croyais avoir vu dans une vidéo... Non, mais on est obligé de toucher ce... Ou alors, c'est là, après. Ah oui, voilà. Faut la frapper. Non mais là, attends, j'avais vu dans une vidéo un mec qui one-shot littéralement avec... quoi qu'il en soit, oui. Il faut le frapper normalement à l'épée, mais si là, c'est que je voulais voir si... Si avec les noix mojo, ça allait pas être un peu plus rapide. Alors là, évidemment, logique, il va falloir attendre un petit peu.
les méduses tournent dans l'autre sens en fait. Oh, tu veux. Ah, il ne sait pas voir. Ah, il m'a eu. Ah, voilà, là, il tourne dans l'autre sens. Alors là, par contre. Purée. Ah, là, c'est, oh, là la... c'est la vidéo du fail. La qui vidéo du la fail. Vidéo ah, voilà. Je vais le faire en mode de cool. Je vais en éliminer 3. J'en ai éliminé 2 en fait. Quoi qu'il en soit. Ah, c'est vraiment pas pratique. Hein. Voilà. Alors, toi. Je te bute. Toi aussi. Et là, maintenant, on entre dans la dernière phase du jeu. Qui consiste à faire. À faire chaque fois d'ailleurs, simplement le toucher. Et puis. Ah. Là par contre, honnêtement, j'ai quand même la possibilité de me faire toucher. J'ai suffisamment de cœur. Ça ira plus vite. On n'est pas censé se faire toucher normalement. Hein, sauf que ça va un peu plus vite, disons qu'il se relève plus rapidement. Eh ben, ça aura été laborieux, on va dire. Voilà, content, tu m'as eu. 3 fois, même. Un palilonc. Berk. Des trucs verts qui sortent, là, c'est... Berk, on va dire. Quoi qu'il en soit, on va arriver à une cinématique qui m'a toujours fait rire. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi aussi. Ouais, quoi qu'il en soit, de toute façon. De toute façon, à partir du donjon 2, presque toutes les cinématiques après les trucs, ils font rire, donc... Non, mais surtout celle-là, quoi, parce qu'honnêtement, c'est vrai que... Attends. Toi, t'es en retard. Je t'attends depuis une heure. Tu es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un peu. Genre quoi, genre... ouais, je t'attends depuis une heure. Et n'empêche qu'en attendant, c'est moi qui te sauve. Fais trempette dans l'eau, t'as raison. Toi, t'es cool, plus cool que je ne le pensais. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé, je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi? Je t'écoute. Je veux la pierre, et plus vite que ça. T'imagines, Mélanie dit rien du tout, qu'est-ce qu'elle veut faire? Tu veux le saphir, Sora? Bah, de toute façon, on l'a quand même. J'ai essayé, hein. Je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais... Ma mère me l'a transmise et je ne le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles, Sora. Bon, ok. Je te donne mon bien le plus précieux, le saphir, Sora. Elle se la joue style, quoi, et hop. Elle pourrait simplement le donner comme ça, ben non, il faut qu'elle recule en faisant... En faisant style, quoi, puis hop, voilà. Moi, je crois qu'il va faire nuit, là. Enfin, on dirait. Vous recevez le saphir Zora, cette pierre ancestrale de l'eau, vous est confiée par les Zora. Son bien le plus précieux. Vous ne savez pas de quoi elle parlait, mais vous avez les 3 pierres ancestrales. Allez voir Zelda. Ne le dis pas à père. Ne le dis pas à père. Gros fail, j'ai pas fait la voix qu'il fallait. Ah non, on n'est pas en nuit. Je vais juste m'arrêter en récupérant le dernier scutula qu'il y a là. J'ai oublié de te dire un truc. Pour vérifier que t'as bien toutes les sculptures là, tu peux aller sur la carte du monde.
Ouais, mais ça, je... c'est justement ça qui m'intriguait. C'est que normalement, on est censé savoir si on a tous les scutules là, on doit avoir un symbole qui apparaît. Mais j'ai jamais réussi à faire apparaître le moindre symbole, donc. Dans les donjons, faut vérifier, c'est tout. Parce qu'on n'a pas un symbole de scutula qui apparaît sur les cartes ici, là. Mais ça, c'est normal, c'est parce que t'as pas complété toutes les scutulas, par exemple, de la fontaine des auras, la fontaine des... Ouais, etc., ouais. Quoi qu'il en soit, je veux me mettre en nuit pour récupérer le scutula qu'il y a là. On avait vu l'autre fois dans l'autre vidéo. D'ailleurs, j'avais le champ, c'est magnifique. Enfin... Voilà, ça pue. Ah oui. En parlant de ça, pendant que tu fais le chant, je te le dis vite, il y a des... Tu dois jouer 5 chants près de, du lac Zora. Ouais, ouais, ça, ça, je le sais, ça. C'est pour ça que j'ai pas fait au début. Je veux attendre d'avoir les 5 chants pour le faire. D'ailleurs, j'avais dit que on aurait un truc spécial à faire plus tard, mais j'en avais pas dit plus, justement, pour laisser un peu la petite surprise. Bon bah t'as qu'à couper, t'as qu'à le mettre en bip alors. Hein. Non mais de toute façon t'en as pas dit plus que moi, donc les gens vont pas savoir de quoi on parle. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'est fait. Bon bah voilà les gens, on va juste s'arrêter ici. Hein. Je crois qu'il y aura un autre truc à faire là-haut, enfin il y a un truc secret, une grotte là-haut là, je crois. Enfin bon, pour l'instant on peut pas. Quoi qu'il en soit, bon ben, on vous dit à plus les gens, hein. Ouais, salut.